All right, here's a little tune inspired by one of the great legends of the Old West. Il était une fois de cow-boy tout seul là-haut sur la montagne. Et ils ont découvert qu'ils pouvaient très bien coucher avec un autre mâle. Alors ils ont eu un rapport sexuel entre eux. Entre cow-boy gay. Sodomie. Tous avec quoi? Sodomie. 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 On demande une femme de chambre, c'est exactement ce qu'il me faut. Femme de chambre. Femme de chambre. Repassez plus tard, s'il vous plaît. Femme de chambre. Pas maintenant. Femme de chambre. Bon, vous dégagez. Je vais entrer quand même. Non, allez-vous-en. Je vais entrer quand même. Oh, c'est impossible. J'ai dit non. D'accord, je range. Non, allez-vous-en. Je range maintenant. Non. Est-ce que je peux regarder? Non. Je peux participer? Quoi? Je peux participer avec la dame? Quoi? Bon, bah, qu'est-ce que tu en dis? Tournez-vous. Je crois pas, non. D'accord. Vous pouvez me prêter de l'argent? Oh non! Vous emmenez ma grand-mère à ce rendez-vous chez le médecin? Non, 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 je ne ferai pas ça. Je peux vous mettre un doigt dans la bouche? Femme de chambre? D'accord. D'accord. On demande une nounou. Ça me paraît un bon boulot pour un étranger sans papier. Michael, t'as entendu la bonne nouvelle? On va avoir une nouvelle nounou! Oh, Jane, je suis super excitée. Tu penses qu'elle sera comme nous l'avons rêvé? Oh, je l'espère bien. J'ai toujours imaginé la plus merveilleuse. Ah! Oh. Ah, oh flûte. Oh. 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 Et je l'aime. T'es une andouille. Nos avocats régleront les détails. C'est le truc le plus idiot qu'il ait fait depuis qu'il s'est battu avec un chat. Ça ferme. Oh non d'une pipette, Roadhouse. Je veux l'acheter. Très bien. Et en cadeau, je vous offre Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Non, merci. C'est cadeau. J'en veux pas quand même. Mais c'est gratuit. Si ce DVD touche mon Roadhouse, je vous tue. Patrick Swayze dans Roadhouse. À l'aide! Au secours! Ces affreux routiers bourrés essaient de s'en prendre à ma vertu! Non, tant que mes boules seront fermement maintenues dans mon jean moulant, ça ne risque pas d'arriver. Roadhouse. C'était génial. Et ce message est intemporel. Peter, le seul message dans ce film, c'est que tous les problèmes dans la vie se résolvent à coups de pied. Oh, oh mon Dieu. Brian, tu as raison. Peter, je plaisantais. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Peter, qu'est-ce que tu fais là? Et pour les vieux, il y aura du sexe. C'est même pas dans le même film. Ça va pas. Tu ne me parleras pas sur ce ton dans mon bar. Mais c'est pas un bar. Voilà votre hamburger. Merci. Monsieur, il manque 1,25$. Tu crois ça? Garde la monnaie. Roadhouse. Écoute-moi bien, ma petite, ça suffit les conneries maintenant. T'as compris? Oui. T'as bien compris? Oui. Maintenant, tu vas tenir ce ballon jusqu'à ce que Charlie Brown le shoote, c'est compris? Allez, vas-y, Charlie. Et je vais te dire autre chose, j'ai fait ma petite enquête, ton diplôme de psy est bidon. Roadhouse. Qu'avec un entraînement basique et un ensemble de phrases à dire, n'importe qui peut se faire passer pour un voyant. Même cette grosse buse de Peter, regarde. Bonjour madame, je suis voyant et je perçois de fortes ondes venant de vous. Avez-vous une montre ou un pendule qui s'est arrêté? Oh, oh. J'avais une montre et elle est cassée. Tu vois, il suffit de poser des questions assez vagues qui peuvent s'appliquer à tout le monde pour faire croire à quelqu'un qu'on le connaît intimement. Je vois aussi qu'un de vos proches est mort.
Mon mari est mort du cancer l'an dernier. Oh la vache, génial. Allez, je vois d'autres mauvaises nouvelles. Ma fille vient d'avoir un accident. Cool, top là. Oh, vous êtes méchant. Eh, venez pas au parc si la vérité vous fait peur. Oh, d'accord, d'accord. On peut rentrer maintenant? Viens, Peter, on rentre. Brian, j'ai une vision. À l'instant, en parlant avec l'autre tarte qui a perdu son mari, je crois que j'ai un don. Peter, on essayait de démontrer que... Non, Brian, c'est bien vrai. Je crois que je suis médium. Première prédiction, soit je vais voler, soit je vais gâcher leur pique-nique. Oh, vous avez gâché notre pique-nique. Médium! Voilà, Peter, on sait que la victime est quelque part dans ce secteur. Il reste peu de temps avant que la bombe... Chut, chut. Écoute, Joey, quand je cherche quelqu'un, ça m'aide de toucher quelque chose qui appartient à la victime. Est-ce qu'il a une femme? Oui, oui. Oui, oui. Bon, c'est encore très confus. Il n'aurait pas une fille? Oui, je vois. Il n'en aurait pas une autre, genre plus mince et canon? Ben si, mais elle a que 12 ans. D'accord, mais du genre un petit 12 ans ou du genre 12 ans mais qui a mangé plein de produits laitiers et elle a d'énormes seins? Et d'ailleurs, c'est vrai ce truc. Peter, on n'a plus le temps de jouer. C'est bon, on va essayer autre chose. Je vais donc user de mes pouvoirs de médium pour demander de l'aide de l'au-delà. J'invoque maintenant l'esprit de Lou Costello pour qu'il nous guide jusqu'à cette âme en détresse. Salut tout le monde, c'est moi, Lou Costello. Ben c'est quoi le nom du mec qu'on cherche? Eh ben c'est un asiatique, Melvin Key. C'est ce que j'aimerais savoir, quoi? Le nom de ce type. Melvin Key. Tu es flic? Oui. Tu bosses sur cette affaire? Oui. Et le gars s'appelle comment? Key. Le gars qu'on recherche? Key. Le gars kidnappé? Key. Le gars qui a une bombe? Key. Il habite quelle rue? La première. D'accord, je suis pas voyant. Ladies and gentlemen, give an indifferent East Coast welcome to the newest bull rider, Peter the Kid. Tu sais ce que c'est, mon boulot au ranch? Je suis un taureau reproducteur. Ça veut dire quoi? Tu vas pas tarder à le savoir. Où tu vas, mon beau chou? Je vais te faire ta fête. J'ai une maison à Cape Cod. Passe me voir à l'occasion. Peut-être. Peut-être que t'appelleras un peu en avance pour me laisser le temps de faire le ménage. D'accord. Peut-être que tu prendras un blazer pour qu'on puisse aller dans un restaurant chic. Je prendrai un blazer. Eh ben c'est terminé. Mais maman, j'aime Luc. C'est terminé, Meg. Ta mère a raison, Meg. Tu ne peux pas te lancer dans une histoire amoureuse à la légère. Allô? J'ai envie d'un peu d'amour vache. Ramène-toi vite. Je peux pas, je suis avec ma famille. Prends du vin au passage. Eh bien, Angela, si je suis le seul du service à pouvoir régler ce problème, j'arrive tout de suite. Hé, hey, Quagmire, Chris t'est fait renvoyer de l'école pour avoir raconté une de tes blagues salaces. Oh mince, Peter, désolé. Est-ce que tu veux que je lui parle? Non, en fait, je voudrais que tu me la racontes, la blague. Ouais, raconte-nous la blague. Vous voulez l'entendre? D'accord. C'est une fille qui rencontre un gars dans un bar et... P.S. Ton vagin est dans la cuvette. Oh non, j'ai chié dans mon froc. J'aime bien quand ça arrive un peu aux autres. Bon, ce slip n'y survivra pas. Je savais pas quoi en faire, alors je l'ai enlevé, puis je l'ai jeté contre le mur, et il a glissé en laissant une trace comme une grosse pieuvre gluante. Ça, c'est vraiment une bonne blague, hein, je trouve, quand on y pense. Ton vagin est dans la cuvette. Oh non! Waouh, il chie à chaque fois qu'il entend cette blague. Ouais, et je me sens moins seul. Allez, fous le camp, Quagmire, je viens de mettre un slip propre. Qui m'envoie un message? Et merde! Arrêtez ça, vous salissez tous mes vêtements! Ça y est, Quagmire, il s'est endormi! Peter, tu viens de t'oublier dans le lit. Quand tu chies dans tes rêves, tu chies pour de vrai. Le temps presse, il faut qu'on se creuse les méninges ensemble pour trouver une solution. Pas de panique, les Griffins ont toujours eu le chic pour avoir des idées brillantes. Mon grand-père, par exemple, était un pionnier. Il a inventé le premier sextoy. Eureka, ce truc me donne une idée. Elle est morte.
Eh ben, t'as encore beaucoup de pain sur la planche, Peter. Parce que mon père a toujours détesté Noël. Salut, joyeux 16 juin à vous. On va voir si vous aimez quand on rentre dans votre maison pour toucher à toutes vos affaires. Hé, hey, arrêtez ça. Je veux toucher ça et puis ça aussi. Oh, vous êtes un type très malsain. Cette baleine vient de s'échouer. Il faut la remettre à la mer, sinon elle va mourir. Poussez-vous, dégagez, je vais m'en occuper. À votre service. Oh, un coquillage. Arrêtez, calmez-vous, les gars. Non, non, Joey, il est grand temps que quelqu'un lui ouvre les yeux. Peter Griffin, tu n'es qu'un crétin. T'es même incapable de marcher en mâchant un chewing-gum. Peter, dépêche-toi un peu, allez, avance. Je suis occupé, tu vois pas une chose à la fois, d'accord? Monsieur et Madame Griffin, c'est avec grand plaisir que nous vous aiderons à démarrer votre entreprise. Oh, vraiment? Merci beaucoup, c'est une merveilleuse nouvelle. Et si vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez pas à m'appeler quand vous voudrez. Allô? À quelle distance se trouvent les étoiles? Bon, Jésus, de nos jours, on fait des rencontres sur Internet. Je vais te créer un profil Facebook. Oups, laissez-moi seulement fermer quelques onglets. Je me suis couché très tard hier soir. J'étais tout seul. Je suis désolé. Et pardon. C'est tout en vue subjective. Oui, c'est vrai qu'en général, j'aime bien avoir l'impression que c'est moi qui les bifle. Et cette fille-là, elle a quel âge? Excusez-moi un instant. Ils sont tous donnés rendez-vous. Pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est peut-être pas trop tard, va les retrouver. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont au Barrington Hotel, vous me suivez? On vient juste de commander des nachos, mais bonne chance. Et c'est parti pour une gamelle dans la neige en courant vers ma voiture. Merde, je viens de me faire une élongation. Ça fait cracouille. Ah oh, ouais, c'était mon dos. Oh, connasse de neige, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Mais j'irai pas voir le médecin. Fais chier. Chris, demain, tu dois vraiment réussir ton contrôle d'histoire. Je sais, David Carradine aussi était nul en histoire et il est mort asphyxié à Bangkok avec une corde autour des couilles. C'est très intéressant, mais il faut que tu t'y mettes. Et moi, je vais t'aider en clouant la porte de ta chambre. Comme ça, tu n'auras pas d'autre choix que d'étudier. Merde, j'ai oublié mon téléphone. Et maintenant, j'ai cloué la porte. Mais papa, je crois qu'il y a une fille qui t'a envoyé des photos de sa minette. Oh merde, Loïs, j'ai pas mon téléphone. Arrête d'envoyer des photos. J'en ai déjà envoyé 4. Chris, pose-moi ça immédiatement.
Mais attends un peu, il y a ces deux mains là. Et alors, mais qui c'est qui a pris les photos? Donne-moi ça et au travail. Et avant que tu juges ta mère, c'est toi qui as élargi le passage. C'est dégueu, il a ses règles par le nez. Oh mon Dieu, il faut vite l'emmener à l'hôpital. T'en fais pas, Brian, je vais te sauver. Je suis doué en situation de crise. J'ai travaillé à suicide écoute. J'en peux plus, là. J'ai découvert que ma femme me trompait depuis un moment. Et franchement, je peux pas vivre comme ça. Je vais me tuer pour en finir. Est-ce que ce serait pas plus logique de la tuer, elle ? Docteur Hartmann, pourquoi a-t-il perdu connaissance? À cause du comportement dont vous m'avez parlé. Je lui ai fait passer un scanner au cas où il serait malade comme un chien. C'est un chien. Ça a fait rire tout le monde. Cependant, je suis au regret de vous informer que Brian a une tumeur au cerveau. Oh, mon Dieu! Seule une chose peut tout arranger. Se rétrécir à taille microscopique, entrer dans le cerveau de Brian et détruire la tumeur de l'intérieur. Un insecte m'a violé! La période « Je m'appelle Justine » est franchement flippante. Oh, ça va. Elle est moins flippante que sa période karaoké. Quelle horreur! C'est toi qui as vomi dans le lavabo? Je te parle! In the fields. Oui, c'est moi qui ai vomi dans le lavabo trois fois. I found for my meal. Bon, d'accord, j'irai à la mairie. Mais je regrette pas d'avoir été un Justin. Ça a été une super aventure. Comme le jour où j'ai découvert où vivaient les maxi-monstres. Merci, Max. C'est grâce à toi que je les ai eus. Allez, aide-moi. Gratte leurs os, on va fabriquer les pilules qui aident mon drapeau à se lever. Oh, j'avais pas l'air trop désespéré, dit. Oh, je veux pas savoir. Brian est distant ces temps-ci, alors je suis inquiet. On était inséparables avant, comme Jack et Jill. C'est là qu'en essayant de soulever les deux seaux d'eau, Jack a trébuché et a carrément dévalé la porte. C'est ça. Hey, j'ai une histoire drôle, moi aussi. Jill a perdu une de ses dents et puis elle l'a avalée. Du coup, on a dû fouiller dans ses excréments pour la retrouver. Et quand on l'a trouvée, on l'a apportée à notre dentiste et il lui a remise dans la bouche. Donc y a pas que moi qui suis empoté. Tu veux nous pondre une autre histoire dans le merde, non? Je peux en dire une? Ok. Jill est stérile. D'accord, mais dépêche-toi, je dois aller répéter après. J'adore jouer des maracas, c'est trop marrant. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ça doit être du sable ou du riz. Ou des petits coquillages. Ah non, et si c'était des os? Non, les os, c'est trop gros. Mais pas les os de bébés. Non, personne ne tuerait des bébés pour faire des maracas. Et puis, comment on les tuerait, ces bébés? Moi, je les mettrais dans la baignoire. Je pourrais en tuer 8 à la fois comme ça. Et puis l'eau, ça ramollit, alors les os sortiraient tout seuls. Joey vient d'avoir un bébé. J'en ai un, moi aussi. Et j'ai une baignoire. Peter, t'as l'air un peu absent. Est-ce que tu penses de nouveau à tuer des enfants? Non. Maintenant, il faut que je les tue, eux aussi. Ah, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Faites quelque chose, vite! Là, on va attirer l'attention du pilote. Il faut nous aider! Bon, je veux bien jouer le jeu. Ce sera pas mon premier mensonge. Alors, où est-ce que je vous emmène? Chez moi. Bah, c'est où? La Maison Blanche.
On est arrivé, c'est ma maison, je ne vous retiens pas plus longtemps, merci beaucoup. Allez-y, rentrez. Je vais rentrer, mais d'abord, allez-vous-en. Non, avant je veux m'assurer que vous êtes bien en sécurité. Oui, mais je dois regarder si j'ai pas du courrier, comme tous les soirs, vraiment, j'insiste, vous en faites pas, allez-vous. En fait, j'en fais une affaire personnelle, monsieur. Le quartier est craignos, alors si je vous vois pas rentrer chez vous, j'arrêterai pas d'y penser toute la nuit. Ah... Bien le bonsoir, monsieur le président. Entrez. Faut pas vous inquiéter pour lui comme ça. Je suis sûr qu'il va super bien s'intégrer. Pas comme moi, à Poudlard. Serpentard. Pouf souffle. Centre de détention pour délinquants sexuels récidivistes. En ta faveur auprès de ses collègues. Joey, ah ouais, bonne idée, pourquoi pas, peut-être. Tu veux un petit massage? Peter, qu'est-ce que tu essaies encore de me cacher? Rien, pourquoi tu dis ça? À chaque fois que tu me proposes un petit massage, c'est parce que tu as fait une bêtise. Et tu veux un petit massage? Eh oh, touche pas au bingo, c'est le seul truc pour lequel je suis super doué. Non, je suis aussi doué pour péter en même temps que les éclairs. Bien, ouvrez tous ce compte-rendu à la page 6, s'il vous plaît. En haut de la page, vous remarquerez un diagramme constitué de barres qui illustre l'évolution de nos ventes internationales. Nous noterons une pointe rouge au dernier trimestre. Cela dit, nous avons prévu une baisse significative durant la saison hivernale. Oh, la tempête s'éloigne. Tiens, c'est pour toi. Mais c'est génial, ça! Les gens sont prêts à me donner 10 dollars pour que je fasse des trucs idiots. Je me suis pas fait de fric aussi facilement depuis l'asticouette. Peter, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai envie de me masturber, mais je peux pas parce qu'il fait trop froid. Dommage qu'il n'existe pas une solution à ce problème. Eh bien maintenant, si, je suis Peter Griffin, inventeur de l'asticouette. Si vous êtes comme moi, le problème numéro un dans votre vie, c'est de ne pas pouvoir se masturber partout. Mais tout ça, c'est bien fini. Grâce à la nouvelle Asticouette, la seule couverture du marché avec faux bras intégrés. Notre procédé breveté vous permet de faire semblant de changer de chaîne ou de boire une bière, alors qu'en fait, sous l'Asticouette, vous vous astiquez la baguette. Chérie, tu fais quoi là? Rien du tout, je veux voir un film avec Scarlett Johansson. Mais attendez, c'est pas fini, on a un modèle pour chaque occasion. Au match de foot, au supermarché, au travail. Hé, qu'est-ce qui se passe sous cette couverture? Ça, vous ne le saurez jamais.